Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Dernièrement, avec Alice, on a filmé la mise en place des albums de Noël dans le coffre que vous commencez à bien connaître maintenant, qui est au salon, avec des albums plutôt thématiques de saison ou de période. Et là que forcément, vu la période dans laquelle on se trouve, on a mis en place les albums de Noël. Elle a fait ça avec moi, elle a tenu à vous les présenter. Donc je vous laisse avec sa présentation tout de suite. La lettre au Père Noël. Est-ce que tu l'aimes bien celle-ci? Oh oui, je l'aime beaucoup. Et c'est presque un de mon livre préféré. L'histoire, c'est là où Facteur Souris reçoit une lettre. D'abord, il ne sait pas que c'est la lettre au Père Noël. Ses amis essayent de l'aider à trouver de quoi est cette lettre. Ok, trop bien. C'est l'histoire de Saint-Nicolas. Et l'histoire de Saint-Nicolas. Quentin Gréban, c'est le monsieur qui a écrit et dessiné l'histoire. C'est un de mes illustrateurs préférés. Tu veux qu'on regarde quelques images dedans? Oui. Qu'on puisse montrer à la caméra? En plus, ça tombe bien qu'on le montre aujourd'hui, celui-ci. Parce que qui c'est qui a vu le Saint-Nicolas aujourd'hui? Non. Donc le Saint-Nicolas est venu dans ta classe aujourd'hui. Tellement cool. T'étais contente de le voir? Ouais. Avec Père Routard. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, Sourisseau est la nuit de Noël. Celui-ci, on l'a déjà montré l'année passée. Tu peux directement le mettre dans le coffre. D'accord. D'accord. Ce gros-là. La nuit avant Noël. Celui-ci aussi, on l'a déjà montré l'année passée. Il est très très beau. On pourra en lire ce soir. Et celui-là. Ah, celui-là, tu te rappelles? Ouais. On l'avait pris pour la première fois à la bibliothèque. J'ai vu le Père Noël. Et finalement, on l'a acheté tellement on a rigolé. On pourra le relire ce soir. Pourquoi? Si tu veux. Parce que t'avais adoré celui-ci l'année passée. Donc je l'ai acheté. Et puis le... c'est quoi le titre? Tu te souviens plus? Non. Le pull de Noël. Le pull de Noël, oui. Tu veux le montrer celui-là? C'est un préféré. Ah, c'est moi qui raconte? Donc c'est l'histoire de Françon, le petit chaton, qui a un pull en laine tricoté, qui va aller se balader et le pull va se détricoter. Donc le fil va se retrouver dans toute la ville et grande surprise, quelqu'un est en train de retricoter le pull de Françon. C'est les lumières de Noël celui-ci. C'est bon? Très très beau, il est magnifique. Le flocon de Noël, tu te rappelles de celui-ci? Oui, on ne l'avait jamais montré. Je crois que si, mais tu peux le remontrer une fois si tu veux. Il est vraiment tout petit. C'est joli, hein. Waouh. Ça, tu sais ce que c'est comme histoire? Tu te rappelles? Le petit flocon. C'est l'histoire de ce petit flocon, en effet, il va aller se poser sur le rebord de la fenêtre d'une petite fille qui s'appelle Noël. Oui. Ah, celui-là, tu peux le montrer. On l'a acheté il n'y a pas longtemps. Celui-là aussi, on l'avait pris à la bibliothèque. Le renard et le lutin. C'est l'histoire de ce renard qui a très très faim et qui va aller chercher à manger dans une ferme. Il n'essaye pas de manger une poule d'abord. Et puis au final, le lutin qui protège la maison, il lui dit non, 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 on mange pas les poules de la ferme. Viens avec moi, je vais te donner quelque chose. Les il y a plein d'enfants qui jouent et surtout qui croient au lutin qui protège la maison et il lui apporte tous les soirs du porridge. De la bouillie. De la bouillie, c'est juste. Et le lutin, il décide de partager avec le renard. La maman ours de Noël. On l'a montré souvent celui-là. Tu peux le mettre dans le coffre directement. Oui. Une histoire de Michel, c'est toujours une bonne histoire. Ah, celui-là, je peux le montrer? Celui-là, si tu veux. Noël dans la vallée des Moumines. Ouais, et tu te rappelles celui avec le chapeau? C'est celui qu'on a acheté il n'y a pas longtemps. Quelle belle aventure au pays des Moumines. Avec plein de neige, comme chez nous. C'est bon. Au lit, petite licorne, c'est... Noël. Oui. Payette, elle va aider le Père Noël dans celui-ci. Tu aimes bien celui-là? On a gentiment plus de place dans ce coffre, dis donc. Mais on pourra toujours mettre dans le couvercle. C'est vrai. Celui-là aussi, on le connaît bien. C'est Winnie l'ourson, un arbre pour Noël. Je peux directement le mettre? Tu peux.
Ça, c'est toutes ceux que les gens ils ont déjà vus souvent. Il est rigolo, lui. C'est le Noël de... je sais plus. Edmond. Edmond. C'est Noël chez Lulu. Presque. C'est Lulu et le sapin orphelin. Tu te rappelles ? Lulu, elle a pas envie que le bûcheron il vienne couper les arbres de la forêt. Donc elle vient les protéger. Oh, celui-là, il est beau. Il brille. Un toit pour Noël. Tu veux montrer quelques images de celui-là ? Oh oui, c'est beau. C'est toute une petite série de livres avec toujours une petite souris, un lapin. Il y a quoi encore ? Un petit ours, je crois ? Oui, et je crois aussi... Un renard, peut-être ? Peut-être. On peut gentiment mettre dans le couvercle, je pense, oui. Celui-là, je le mets dans le couvercle. Ça, c'est la même. C'est toujours de Rebecca Harry. C'est celle qui a écrit les livres et fait les dessins. Et là, c'est Plume et le cadeau de Noël. J'adore Noël. J'adore. Toi aussi ? Oui, j'adore Nouvel An et Noël. Hop. Ah ouais, il est chouette celui-là. Il est vraiment beau. C'est pas de la même mère. C'est bon, il tient. C'est quoi ? C'est Santa, la souris du Père Noël. Santa ? Oh, celui-là, tu te rappelles ? Quoi ? Non. Tu te souviens pas de celui-ci ? Non. Oh, c'est l'année passée, où il y a 2 ans, c'était ton préféré. Je te le lisais tous les jours. C'est le livre de Maman, j'ai raté l'avion. Tu sais, Kevin, qui reste tout seul à la maison. Et puis, il y a les voleurs qui veulent venir cambrioler sa maison. Tu te rappelles ? Non. Non ? Non. Je me réjouis de te le relire alors, parce que celui-ci, tu le lisais tout le temps. J'ai beaucoup le regarder. Oh, celui-là, il est magnifique. Le grand magasin de Noël. Celui-ci, j'ai eu beaucoup de peine à l'avoir. Finalement, je ne l'ai pas eu pour Noël l'année passée, mais j'ai réussi à l'avoir pour Noël cette année. C'est un magasin magique où on trouve un cadeau idéal pour tout le monde. C'est trop bien, hein ? Il va trouver... quelque chose de formidable pour sa sœur, quelque chose de magique pour sa maman, quelque chose de cool pour sa mamie. Exactement. Quelque chose de cool pour son papa. C'est ça. Tu te rappelles de celui-ci ? Oh oui. C'est quoi ? Magnifique. C'est le dernier arrêt pour... le Rennes Express. Oh oui. C'était si beau. Je peux ouvrir là ? Je crois que c'est là. Le Rennes Express. Mia, elle va aller jusqu'où ? Chez son papa. Oui, pour lui apporter sa lettre. Exactement. Oh. Ça, c'est qui ? Edmond. Il a même un CD. Oui, qui doit être dans tes CD d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe dans celui-là ? Tu te souviens ? Non. Il y a un problème avec le châtaignier où ils habitent tous, hein, Edmond et ses amis. Et le chat les invite à dormir chez lui, dans sa maison. Mais dans sa maison, il y a des humains. Alors ils vont réussir à passer Noël tous ensemble, les humains et les animaux. On aime bien Edmond, hein, il est cool. Donc on a quoi ? On a Noël dans le grand arbre, et puis qui a volé le bonnet du Père Noël ? Qu'est-ce qui se passe dans ce livre alors ? Tu te rappelles ? Ah ben, au réveil, le Père Noël... Ah ben, il perd son bonnet. Donc il le cherche. On peut ouvrir la penderie, mais il n'est pas là. L'horloge, mais il n'est pas là non plus. J'ai déjà ouvert le lit, oui. Il n'est pas non plus. Alors Père Noël, il va chercher dans tous les étages de sa maison et demander aux elfes, demander à la Mère Noël. Oui, tout ça pour retrouver son bonnet. Ensuite, il entend des scratch. Et là, c'est quoi ? C'est un petit elfe, c'est Crémeline et Nougat qui est en train de manger les sucreries. Celui-ci, on ne le connaît pas encore parce qu'on ne l'a pas encore lu. C'est un Noël enchanteur. Tu veux bien montrer quelques images ? Je me réjouis de le lire avec toi, celui-ci. Il est tout beau, tout neuf. C'est la même dame qui a fait les dessins du chat avec le pull de Noël. On a terminé. Tu peux le fermer et le mettre dans le coffre. Merci ma puce. Merci maman.
Voilà pour cette présentation, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'on aura pu vous montrer un petit peu l'intégralité de notre collection Noël. Alors pas hiver, hein, vraiment juste Noël. Cela dit, vous en avez quand même déjà vu beaucoup pendant la présentation de la bibliothèque complète d'Alice qu'on avait faite il y a quelques semaines. Puis certains albums de Noël, vous les avez déjà vus il y a 2 ans, voire plus pour certains, parce que c'est des albums qu'on représente régulièrement, parce qu'on les a depuis un moment et puis qu'on les aime vraiment beaucoup. Pour ceux qu'on ne vous avait peut-être pas encore montré, vraiment présenté à l'intérieur, etc. J'espère qu'on aura pu le faire du mieux qu'on a pu en tout cas. C'est pas toujours évident de bien montrer les images, mais on espère avoir pu vous montrer un petit peu, un petit avant-goût et vous avoir fait envie. En tout cas, voilà, si vous aviez besoin encore d'idées cadeaux pour éventuellement une naissance ou alors pour des enfants dans votre entourage que vous aimez beaucoup, je pense que là, il y aura de quoi faire. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour à peu près tous les budgets. Et bien sûr, j'espère que vous passez actuellement de super moments à lire justement ce genre d'album. Là, moi, franchement, j'ai qu'une hâte, c'est d'enclencher la cheminée là et de profiter d'un petit moment de lecture avec ma fille, avec une grosse couverture et de pouvoir lire tous ces superbes livres. Je vous embrasse très fort, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une toute prochaine. C'était la nuit de Noël, un peu avant minuit. À l'heure où tout est calme, même les souris. On avait suspendu nos chaussettes sur le rebord de la cheminée pour que le Père Noël les trouve dès son arrivée. Au galop, mes amis! Accélérez le pas! Pareil aux feuilles mortes emportées par le vent qui monte en tourbillon et se bouscule en s'élevant, les coursiers s'envolèrent jusqu'au-dessus de ma tête, avec le traîneau, les jouets et même le Père Noël. Peu après, j'entendis résonner sur le toit le piétinement fougueux de leurs petits sabots.